surprise la petite fée, quelle surprise veux-tu nous montrer? Tadam! Bonjour à tous, bonjour les Casimeritos, bonjour Peppa, Georges, Martine, bonjour les bébés Pinipone, mon ami Lily et moi-même, Michel, vous souhaitons la bienvenue dans la cabane dans les bois. Effectivement, bienvenue à tous dans cette maison très spéciale. C'est un lieu vraiment splendide où vos parents vous ont laissé pour que vous passiez deux journées magnifiques en notre compagnie. Il y a plein d'activités à faire, nous allons toutes vous les montrer. Et cette nuit, nous ferons un feu et nous mangerons des chamallows. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Oh, tu verras, c'est une sucrerie vraiment super bonne. Je te montrerai. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes tous prêts à vous amuser? Oui, 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 on est prêts. Wouhou! Oh, Bonne, toujours en train de pleurer. Qu'est-ce qui t'arrive, petit frère? Maman me manque. Mais enfin, on va dormir ici seulement deux nuits. Et tous tes amis sont là. Il y a Peppa, Georges, les Casimeritos, Watt, Suzuki, Menudita. Ne t'inquiète pas, on est tous là. Bon d'accord, donne-moi un biberon s'il te plaît. Oh d'accord, je vais te chercher un biberon, je reviens. Tiens, voilà, je l'ai enfin trouvé. Mais change-moi ce visage. D'accord. Voilà, je suis content. Mais donne-moi mon biberon. Oui, oui, voilà. Merci, merci, merci. Est-ce que tu penses qu'il y a des toboggans ici, Martine? Oh oui, je suis sûre qu'il y a plein de toboggans. Viens, d'ailleurs, Lily et Michel vont nous montrer tout ça. On va voir s'il y a des toboggans ou pas. Bien, alors, qui souhaite monter tout en haut de cette échelle pour voir ce qui se passe? Tu es sûre que c'est solide parce que ça a l'air d'être fait en bois quand même. Ça fait un peu peur. Non, allez-y, vous pouvez y aller en toute confiance. Tu veux y aller? Oh oui, j'y vais, j'y vais. Wouhou! Ça, c'est une vraie aventure. J'arrive en haut. Ça y est. Allez, à toi, Georges. Oh, moi, j'ai trop peur. Ça bouge. Mais vas-y, Georges, aie confiance en toi. Tu peux le faire, je le sais. Il faut que tu arrives à combattre ta peur. Oh là là. Oh. 2, 3, 4. Oh là là, j'ai peur, ça bouge. 5. Aïe, aïe. Oh, ça va, Georges? Tu ne t'es pas fait mal? Oh oui, ça va, je n'ai rien, mais je ne veux pas monter par cette échelle. Il devrait y avoir un autre moyen. Oui, effectivement, mon beau, il y a un autre moyen. Je te montrerai ça tout à l'heure. Pour l'instant, Martine va monter. D'accord? Oui, j'y vais. À moi. Oh là là. Oh, voilà. Oh, je suis en train de perdre mon pantalon. Je suis presque arrivée. Oh là. Mais Michel, moi, j'ai vu le toboggan et j'ai très envie de me jeter des toboggans. Comment on va faire? Ne t'inquiète pas, Georges, regarde. Pour cette occasion, nous avons fait un ascenseur balançoire. De cette façon, vous, les plus petits, vous allez pouvoir aller en haut quand même, d'accord? Est-ce que vous êtes prêts à monter? Oh, oui, oui, allons-y. Allez, mettez-vous tous dans l'ascenseur. Et Lily va vous tirer jusqu'en haut. Ils sont prêts, Lily! 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 Parfait, je les monte! Yeah! Qu'est-ce que c'est rigolo! Ouhou, j'adore cet endroit! Allez, descendez, viens, Pone, viens avec moi! Oh, mais je vais être le dernier sur le toboggan! Ne t'inquiète pas, il y a de la place pour tout le monde! Ah là là, on y va. Wouhou, attention. Oh, on s'est rentré dedans, Suzukine. Oh oui. On aurait pu se faire mal, hein. Il faut faire attention quand même. Oh, et poussons-nous parce que d'autres personnes vont descendre. Allez, zou. Tu es prête, Martine? Oui. Oh, je crois que j'ai fait tomber toute la file. Oh, vite, je vais descendre avant qu'il ne me gronde. Allons-y. Et whoop-là. Oh, Martine, attention, tu nous as tous poussés. Tu vas voir ce que tu vas voir. Yeah! Oh, Peppa, tu es descendu beaucoup plus vite que moi. Allez, you. Il est vraiment rigolo, ce toboggan. Youpi! Mais où est-ce qu'il est, Watt? Il est où, mon Casimeritos? Watt, où es-tu? Eh oh, et Watt, pourquoi tu ne descends pas? Tout le monde t'attend.
Lily, j'ai un petit peu peur, je ne sais pas, j'ai l'impression que je vais rester coincée. Bon, il est vrai que tu as une grosse tête, Watt, mais je pense que tu devrais passer, tu sais, Suzikin et Menudita ont réussi, tu devrais essayer. Allez, vas-y, de toute façon, on trouvera une solution si tu restes coincée. Mais ne t'inquiète pas, tu ne resteras pas coincée, voyons, allez. Bon, je vais essayer, d'accord. Ah, je suis coincée. Au secours, aidez-moi, au secours. Mais enfin, Lily, pourquoi est-ce que tu as dit à Watt de passer par ce tout petit trou? Je ne sais pas, je pensais qu'il passerait, moi. Mais nos états Suzikin ont réussi. Qu'est-ce qu'on va faire, Michel? Je ne sais pas du tout. Qu'est-ce qui se passe avec mon Watt? Qu'est-ce qui se passe? T'es resté coincé, Watt? Eh bien, j'ai bien peur que oui, George, il est bloqué. On ne peut plus le sortir. Oh là là, mon pauvre Watt! Mais je crois que j'ai une idée pour le sortir de là. Je pense que rien ne va fonctionner. Il va falloir qu'on appelle les pompiers, tu sais. Non. Laisse-moi, j'ai une idée. Je reviens. Ne bougez pas. Watt, regarde ce que j'ai. Une excellente pizza. Ça sent bon. J'adore la pizza. Approche-toi, Georges, que je puisse la manger, s'il te plaît. Non, il va falloir que tu sortes si tu veux la manger. Allez. Oh, c'est trop dur. Allez, Watt, un petit effort. Elle a l'air délicieuse. Oh oui, elle a l'air délicieuse. Pizza. Mais tu es sortie, Watt. Bravo. Hey, qu'est-ce que je t'avais dit, Lily? J'en étais sûre, avec la pizza, ça fonctionne. Mais, elle est bonne. Où est-ce que tu l'as eue, cette pizza? Je l'avais pris dans mon sac à dos. Je savais qu'on en aurait besoin. Par contre, il n'y a plus de dîner pour ce soir, Lily. J'en ai bien peur. Watt a tout mangé. Waouh, regarde, Michel. C'est un petit écureuil. Oui, exactement. Pin, c'est un écureuil. Oh, il est trop mignon. Est-ce que je peux l'avoir comme animal de compagnie? Non, ça ne se prend pas comme animal de compagnie, un écureuil. C'est un animal sauvage. Oh, mais j'aimerais tellement. Regarde, il se laisse caresser. Oui, fais bien attention qu'il ne se sente pas en danger et qu'il ne te morde pas quand même. Moi aussi, je veux toucher l'écureuil. Moi aussi. Bien, Pon. Alors, vous pouvez changer, Pon. Descends. Et comme ça, Pin va monter dans la balançoire, d'accord? Oh oui, l'écureuil. Oui, la balançoire. Wouh! Oh, elle est vraiment chouette, cette balançoire. Allez, je te balance un petit peu. Bah, vu cet endroit magnifique, Peppa, oh, qu'est-ce qu'on s'amuse bien. Et c'est tellement beau d'être en pleine nature comme ça, j'adore. Oh oui, tu as raison, Martine. Et c'est vraiment bien qu'il y ait Lily et Michel comme animatrices parce qu'on n'a pas besoin de s'occuper de nos frères et sœurs. Et ça, quel soulagement. Tu as raison. Oh, et vivement ce soir qu'on puisse être autour du feu, j'ai tellement hâte. Oh oui, moi aussi j'ai hâte. Oui, bienvenue au feu de camp. Oh, j'avais tellement hâte. Si on chantait une chanson. Oui, Pedro jouait de la guitare. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ne t'inquiète pas, c'est mon cheval. Il s'appelle Tress. Il est très gentil. Oh, et alors demain, on pourra monter à cheval? Oh oui, on pourra le faire, c'est une très bonne idée d'ailleurs. On pourra faire une balade. Qui veut qu'on raconte une histoire qui fait peur? Non, pas d'histoire qui fait peur. Après, je ne peux plus dormir. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, Michel. Ils sont tout petits, effectivement, ça devrait leur faire peur. Ah oui, c'est vrai. Alors, chantons une autre chanson? Oui, il était un petit homme. Très bien. Il était un petit homme, pirouette, cacahuète. Il était un petit homme. Wouh! Yeah! Ah, j'espère que cet épisode vous a plu, les enfants. Que vous avez passé un excellent moment dans la cabane dans les bois. Attention, je vais emporter quelque chose. 1, 2, 3. Qu'est-ce que j'ai pris? Si vous avez trouvé, laissez-le en commentaire. Et n'oubliez pas de mettre un j'aime à cette vidéo. De plus, si vous ne voulez perdre aucune de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est complètement gratuit. Demandez à vos parents. À bientôt! Coucou les enfants! Aujourd'hui, un énorme bisou à Océane, Aurore, Léane, Yasmine, Luna, Mélina, Coralie, Narcissa, Maeva, Ambre, Kaido, Tom, Sarah, Mia,
Isabelle et Aline. Mouah.